j'ai la foi, j'ai l'anxiété par les armes. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter tes louanges. Mon Dieu, mon roi, je vais exalter ton nom. Emmanuel, Dieu est avec nous. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau de Dieu. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois,
Alléluia. L'ennemi a échoué. L'ennemi cherchait à ce que tu puisses divorcer avec ton mari ou avec ta femme. L'ennemi a échoué. Lui qui cherchait à ce que tu tombes malade. L'ennemi a échoué. Lui qui cherchait que tu puisses avoir des problèmes. L'ennemi a échoué. Lui qui cherchait que tu puisses mourir. Il a échoué. Il échoue. Et il échouera. Bonne année! Errez le peuple dont l'Éternel est Dieu. O bandina kemba yo kumama Yahweh, Yahweh yo kumama. O bandina kemba yo kumama Yahweh, Yahweh yo kumama. O bandina kemba yo kumama Yahweh, Yahweh yo kumama. Yahweh, yo kumama, Yahweh, yo kumama, Yahweh,
Ensuite de recevoir la parole de Dieu, prions le Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi. Donne-moi le directives pour cette année. Alléluia. Alléluia, Dieu Dieu. Alléluia. Il envoya sa parole et sa parole est guérie tous. Ta parole n'est pas un discours persuasif, mais une démonstration de la puissance. Amen. Que cela soit ainsi ce soir. Que nous diminuons, Père, mais que tu croisses toi-même. Amen. Que nous soyons effacés, que toi seul puisse paraître en Seigneur. Quel honneur, la gloire, la majesté, la magnificence, l'élévation, la dignité, la louange, n'est à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Toi qui es assis sur ton trône de grâce, sur ton trône de gloire, sur ton trône de grande miséricorde. Tu es Dieu. Tu t'appelles Emmanuel. Dieu parmi nous. Aide le peuple dont l'Éternel est Dieu. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Nous t'appelons l'ancien des jours. Le temps nous est compté. Mais toi, le temps ne t'a jamais été compté. Parce que c'est toi le maître des temps. Tu es aussi le maître des circonstances. Tu t'appelles Dieu. Toi qui détiens l'univers dans ta main. Notre beauté, c'est bien toi. La résurrection et la vie. Tu t'appelles la délivrance. Tu es Dieu. Au nom de ton fils Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Chorale. Parce que Dieu est assis dans la louange et il est assis dans l'adoration. Nous voulons écouter. Nous voulons sentir la gloire de Dieu au travers de la louange. La présence de Dieu au travers de la louange. Réalisons nous bien les que nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes dans le temple de Dieu. La Bible dit, lorsque l'Éternel entre dans son sanctuaire, que tout est fait par ce silence. Dieu pourra nous parler au travers des cantiques aussi.
et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait. C'est-à-dire Jésus-Christ, parce qu'il a marché selon la voix de son Père, il est marché dans la sanctification, et Dieu lui a donné cette part-là. Dieu lui a donné cet héritage-là. Dieu lui a donné cet honneur-là. Tel qu'il devons être. Lui, c'est notre grand frère. Alors nous aussi, nous serons et nous avons déjà cette part-là. Amen. On va finir ce verset. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis. Ah, celui qui marchera dans la sanctification. Ah, celui qui cherchera la face de Dieu. Qui serait dans l'humilité. Qui ne va pas mentir. Et ainsi de suite. La Bible dit, Dieu va témoigner de toi que tu es son fils, tu es sa fille. Et celui-ci c'est mon fils, c'est celui-là c'est ma fille. Alléluia. Pas les hommes de l'homme, de non. Dieu dira, ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Et, alléluia. Te condamner non plus, mais papa non, je ne suis pas, non, nous partageons bien aimé, l'année 2013, bien aimé, ce n'est pas pour rien, je répète, je répète ce que j'avais dit, ce n'est pas pour rien l'année 2013, ici en France, le 23, le 13 janvier 2013, on va promulguer la loi mariage pour tous, l'objectif là, c'est de contredire la parole de Dieu, en d'autres termes, c'est combattre Dieu, je vous dis déjà que l'antéchrist est là. Amen. L'antéchrist est là. Et il va séduire beaucoup. La Bible dit même des élus. La Bible dit même des élus. Alors, Église de Dieu, écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la sanctification. Craignons Dieu. Ce n'est pas à l'Église qu'on craint Dieu. Mais ce que nous faisons, surtout en dehors du Seigneur, en dehors de l'Église. Oh non, caméra à gauche, non, alléluia. Il y a une grande caméra que beaucoup de gens oublient. Amen. Parce que quand on marche dans la rue, on regarde, est-ce qu'on a vu là-bas? Est-ce qu'on est là-bas? Mais on oublie, il y a une caméra. C'est lui qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout, qui saisit tout. Même une fourmi noire, sur une pierre noire, dans un trou noir, et dans une nuit noire, il voit tout. Les hommes peuvent ne pas te voir, c'est vrai. Ton pasteur, l'apôtre ne peut pas te voir, c'est vrai. Mais, caméra céleste. Bonne messe. Si tu ne veux pas recevoir la marque de la bête en 2013, si tu ne veux pas subir les lois des occultistes qui ont prévu pour l'année 2013, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Chambre, protocolaire, intercesseur, enseignant, évangéliste, pasteur, apôtre, bishop, archibishop, intendant, surintendant, monseigneur, cardinal, pape. Une seule chose. Recherchons la sanctification. Recherchons la sanctification. Recherchons la sanctification. Recherchons la sanctification. Alléluia. Chante, lorsque tu vas chanter, il y aura des délivrances. Les prédicateurs, lorsque tu vas prêcher, il va se produire des miracles. Évangéliste, lorsque tu proclameras, ça s'accomplira. Prophète, lorsque tu prophétiseras, ça se réalisera. Alléluia. Si l'enfant vient comprendre contre toi, puisque tu marches dans la sanctification, Dieu va te révéler comme il a révélé à Élisée les complots qui étaient contre Israël. Alléluia. Si tu marches dans la sanctification, ma soeur, ma fille, il y aura peut-être 5 évangélistes qui vont te chercher en mariage. Tu vas poser la question, mais qui prendre? Parce que les 5 sont sélectés de Dieu. Mais Dieu va te révéler d'où tu es venu. Est-ce que tu veux comprendre les choses? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La Bible dit, cacherai-je ce que je compte faire à mon serviteur Abraham? Est-ce que vous comprenez? Si nous marchons dans la sanctification,
Dieu ne pourra pas nous cacher. Et la Bible dit, c'est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et il va te révéler tout ce qui est en train d'être mijoté contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Surtout, ma casse à costa. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier. Disons d'abord merci à notre Seigneur sur tout ce que vous venez d'entendre. Remercions l'Éternel bien-aimé. C'est une grâce de recevoir la parole de Dieu. C'est une grâce, ma soeur. C'est une grâce, mon frère. Disons merci à notre Dieu. Priez le Seigneur. Disons d'abord merci. Disons merci à notre Dieu. Disons merci. Disons merci à notre Dieu pour sa bonté, pour ses merveilles dans nos vies. Oui, bien-aimé, nous allons bénir notre Dieu, lui qui a rendu toutes choses bonnes concernant ta vie, concernant notre vie, cette année 2013. Prions les Seigneurs, prions maman, prions papa. Alléluia. Il nous a montré le chemin pour cette année 2013. Mais fermons pour nos bouches bien-aimées. Disons merci à notre Seigneur. C'est une grâce d'écouter, d'entendre la parole du Seigneur. C'est une grâce bien-aimée. Alléluia. Bénissons notre Seigneur bien-aimé pour toutes les portes qu'il a ouvertes pour toi et moi en 2013. Alléluia. Que toutes les portes sont déjà ouvertes. Il s'appelle la clé de David. S'il ouvre, personne ne pourra fermer. Et s'il ferme, personne ne pourra ouvrir. Il s'appelle Dieu, la clé de David. Alléluia. Lui qui détient le monde dans sa main. Merci Seigneur Dieu pour ta gloire. Alléluia, tu es présent, tu es réel, tu es véritable, Seigneur. Nous allons dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que cette année 2013, que tu puisses m'honorer, que tu puisses me couvrir de ta gloire, que tu puisses m'élever, que tu puisses faire l'excellence dans ma vie. Honore ma personne, couvre ma personne de ta gloire, élève-moi ton serviteur. Allez, prions, prions le Seigneur, prions. Prions le Seigneur, prions. Prions nos frères, prions nos frères. En commençant le mois de janvier, mois de février, mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, bien-aimés, prions le Seigneur. Que Dieu puisse nous honorer. Il honore ce qu'il honore. Alléluia. Qu'elles soient couvertes de sa gloire. Qu'elles soient remplies de sa gloire. Qu'ils puissent nous élever en cette année 2013. Qu'elles soient couvertes de sa gloire. Que la marque de la bête ne nous touche pas. La main droite levée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
conduis-moi. Conduis-moi. Conduis mon mari. Conduis-moi. Conduis ma femme. Conduis mes enfants. Conduis ma famille. Conduis mon ministère. Conduis mon ministère. Sur les nouveaux chantiers. Dans cette année 2013. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, prions, prions, les prions, prions, prions. Prions maintenant, prions. Je veux chanter tes louanges. Mon Dieu, mon roi, je vais exalter ton nom. Emmanuel, Dieu est avec nous. Le rocher des âges, Jésus, l'agneau de Dieu.